Allez, encore un coup de fouet pour passer l'espèce de précipice, parce que là, sinon, si j'essaie de sauter, ça ne marchera pas. Hop. Donc on retrouve quand même Indiana Jones. Ça, ça fait quand même bien plaisir. Il est temps de se mettre au boulot. Ah, il a pas tort, Indy. Allez, il faut que je bosse un petit peu. On va faire un level 1. On va faire un level 1 sur Indiana Jones et la machine infernale de LucasArts. Lucas, c'est mon passe privé, c'est eux qui ont les droits sur Indiana Jones. Donc, ils ont fait une espèce de Tomb Raider avec Indy, qui est quand même un super héros. Enfin, moi, j'adore toute la série d'Indiana Jones. Je trouve ça assez génial. Vous allez voir que c'est pas extrêmement réussi. C'est un petit peu dommage d'ailleurs. Il y a vraiment de quoi faire mieux. Une espèce de Tomb Raider, mais de sous Tomb Raider. C'est pas très jouable. Bon, déjà que Tomb Raider, j'arrête pas de râler que c'est pas très jouable. Là, bah, c'est encore pire. Indiana Jones, c'est encore moins maniable que Lara Croft, qui est carrément plus souple et plus vivace. Mais en tout cas, c'est quand même pas trop mal foutu, avec des jolis décors. Et puis, on retrouve Indy. Regardez comme il est beau. Ces petites fesses qui grimpent aux échelles, les filles. Harrison Ford, c'est quand même pas rien. Vous allez voir qu'on le reconnaît. Il est assez mal gaulé parce qu'il n'est pas super bien modélisé, mais on le reconnaît quand même. Et puis c'est Indiana Jones, donc on va vivre des aventures d'archéologue. Donc on peut regarder autour de soi en tout en 3D, lever la tête, si j'y arrive, voilà. Vous voyez que là, il y a un petit truc en hauteur, le bout de flingue qui dépasse, c'est normal. C'est un petit bug, mais c'est pas très grave. Et là, vous voyez qu'il y a un rocher qui est coincé dans le mur. Je vais tirer, hop, pour le retirer vers moi. Et ça va peut-être me permettre de grimper en hauteur pour aller voir ce qu'il y a dans cette espèce de niche. Allez, recule. Alors, vous voyez, par exemple, là, il s'accroche pas très bien et il veut pas vraiment attraper le rocher. C'est un peu délicat. Donc, tout de suite, allez, on parle des défauts. La jouabilité est vraiment pas top. Par exemple, lui faire un petit pas sur le côté, c'est un peu quand il veut. Vous voyez, si je suis un peu tourné sur le côté et ça bloque tout de suite, il veut plus faire grand chose. Là, par exemple, j'appuie, je peux le prouver avec le clavier, j'appuie à gauche et ça ne marche pas. Alors que normalement, il devrait faire un petit pas sur le côté. Donc voilà, pas très très souple. La jouabilité, vraiment, c'est très précis. Il faut être au millimètre près. C'est un petit peu pénible. Bon, on s'en sort quand même. Faut pas être non plus complètement de mauvaise foi. On arrive quand même à s'en sortir. Mais des fois, on est un peu agacé. Ça aurait pu être vraiment mieux. Ah, il a trouvé quelque chose, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais oublié de vous prévenir. Il parle en français, mais alors il a une voix un peu spéciale. Il avait l'air vraiment pas aimable du tout. Vraiment, c'est assez terrible. Et en plus, il est vraiment, je sais pas, des fois il fait des réflexions. Notamment, il y a des communistes, ses adversaires sont des communistes dans cet épisode. Et alors, il y a des réflexions anticommunistes, c'est assez terrible. Genre, les Russes arrivent, saleté de bolchevique, des trucs comme ça. Il est complètement méprisant avec. Il trouve des ruines à Babylone après. Qu'est-ce que c'est que ces ruines de Metek? Quasiment. J'exagère un peu, il dit pas exactement ça, mais dans le ton, on sent que c'est ça. Donc vraiment, je sais pas, pourtant Indiana Jones, il est pas du tout baladurien, Indiana Jones dans le film. Là, vraiment, on sent le mec de bien de droite, hein, le Indiana Jones. Je sais pas, c'est les Américains qui ont fait ça, alors peut-être qu'ils sont un peu laissés aller. Côté idéologique, je trouve pas terrible, terrible. Enfin bon, chacun a ses opinions, après tout, peu importe. Mais sauf là, c'est un peu trop poussé. Alors, vous avez vu qu'en hauteur, il y avait un espèce de truc, je vais pouvoir accrocher mon fouet. Donc je vais lui sortir son fouet. Il a plusieurs armes, donc au début, il a juste le fouet. Et puis un flingue. Alors vous voyez là par exemple, je suis pas très bien placé. Faut que je me mette au bon endroit si je veux qu'il attrape l'espèce de ce truc là. Au bon pour le moment, il fait l'andouille. Je vais me mettre vraiment au pied du mur. Voilà, là, il va peut-être enfin regarder le fouet. Il va regarder enfin l'endroit où il peut plutôt accrocher le fouet et je peux enfin grimper. Donc, vous voyez ça par exemple côté jouabilité, ils auraient pu faire un petit effort aussi pour que ça se passe un peu plus facilement. Voilà, là, on peut rentrer dans cette niche. Je vais ranger le fouet, j'en ai pas besoin. Bon là, il y a rien de spécial. Mais de temps en temps, il y a des trésors qui sont planqués un peu partout dans le niveau. Vous n'êtes pas obligé d'essayer de tous les attraper, mais il faut en récupérer quand même un certain nombre tout en faisant des acrobaties. Oh, il y a un serpent sur le côté, je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, je vais sortir le flingue parce que le fouet sera pas très efficace. Alors, il y a un système de visée à la Tomb Raider, vous voyez. Quand il y a un adversaire, il vise automatiquement, enfin normalement, parce que, en fait, il le rate des fois. Et c'est pas toujours très pratique. Bon, pour le moment, allez, on va prendre un petit peu d'élan et on va sauter. Là, par exemple, il faut sauter avec de l'élan, sauter avec la touche Alt et se rattraper avec la touche Contrôle. C'est pas franchement très pratique. Allez, encore un coup de fouet pour passer l'espèce de précipice, parce que là, sinon, si j'essaie de sauter, ça ne marchera pas.
Donc on retrouve quand même Indiana Jones. Ça, ça fait quand même bien plaisir. J'adore ce personnage. Ah, ça s'est écroulé sous mes pieds. Ça alors. Ça alors. C'est le gars qui a des réflexes. Ah, je vais tomber dans l'eau, au secours. Donc là, je peux nager. Il peut nager. Ça fait un peu. Vraiment, ça ressemble beaucoup à Tomb Raider. Il est moins gracieux sous l'eau que Lara. Hein. Ah, je sais pas, moi, Harrison Ford, c'est moins mon type que Lara Croft, évidemment, mais voilà. Ah, une cascade. Ah, voilà, je suis tombé dans l'eau. Donc on peut nager sous l'eau. Par exemple, là, il y a une petite niche où il y a un trésor. On va le récupérer. Donc, encore une fois, les trésors sont pas indispensables, mais bah, ça peut être utile par moment. Quoi. Alors, on va le faire retourner. Il n'y a pas que des trésors, il y a des mécanismes à trouver, des trucs comme ça, parce qu'il y a quand même une petite partie de réflexion. Il ne suffit pas non plus de tirer sur tout ce qui bouge. Il y a des pièges à déjouer, des machines à mettre en route et tout. D'ailleurs, ça s'appelle Indiana Jones et la machine infernale. C'est pas pour rien. Alors, écoutez un peu Indy, je trouve c'est qu'il est... je ne l'avais pas remarqué, celui-là. Si je ne trouve rien de mieux, je peux dire adieu à ma subvention. Voilà. Où êtes-vous, couronne royale, idoles en or, trésors inestimables? Donc, il est devenu capitaliste entre-temps, le gars. Il pense qu'à sa subvention, au fric et tout, alors qu'Indiana Jones, a priori, c'est un archéologue qui travaille pour la gloire de l'archéologie. On voit bien ça dans les trois épisodes. Il fait ça pour le bien, pas si pour le fric. Une bonne nouvelle, elle n'arriverait pas aussi vite. Allons voir. Tiens, regardez, vous voyez, on reconnaît à moitié Harrison Ford. Il est un peu mal gaulé, moi, je trouve. Mais bon, c'est pas grave. Alors, et on va se promener un petit peu là-dedans. On va aller voir. Allez, on va se promener. L'accent belge, tout à coup, je sais pas ce qui m'arrive. On va essayer de rentrer. Regardez là, un petit trésor. Ouais, un diamant. J'aime bien, il dit des trucs quand il trouve des diamants. Mmh. Voilà, il fait toujours une petite réflexion rigolote. Mmh, une idole. Des trucs comme ça. Mmh, mais qu'est-ce que c'est que ça? La voix, je pense que c'est la voix du vrai gars qui double Indiana Jones. Je pense. Ça fait longtemps que j'ai pas vu en français. Mais on dirait. Avant, c'était Francis Lax quand même. Le mec, il faisait le Muppet Show, il faisait aussi Indiana Jones. C'était quand même assez drôle. Tiens, regardez. Là, normalement, je devrais grimper. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Juste en dessous, vous voyez, il y a des petits passages secrets. Donc si on baisse la tête. Allez, mon petit bonhomme. Voilà, on va pouvoir rentrer là-dedans et on va trouver une idole. Bon, la 3D, ça marche bien parce que je baisse la tête quand même. Je suis stupide, à chaque fois je me fais avoir, moi. Tout ce qui est 3D, j'ai tendance à... Quand je suis au bord d'un mur et que j'essaie de voir l'adversaire... Voyons ce qu'il y a là. Une idole. Très bien. Ouais, quand il y a un mur, j'ai tendance à passer la tête sur le côté pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et quand le plafond se baisse, j'ai tendance à baisser la tête. C'est ça, c'est bien les jeux vidéo, on est toujours bien dedans. Moi, j'aime bien. Allez, rentre, Harrison. On n'a pas que ça à faire. On va remonter de l'autre côté. Voilà. Donc là, je vais regrimper de ce côté-là. Et ce coup-ci, on va monter de l'autre côté de la falaise. Allez, saute, mon petit bonhomme. Hop. Oh, voilà, j'ai raté mon saut. J'aurais peut-être dû prendre un peu d'élan. Non, là, c'est juste que j'ai pas appuyé sur la touche contrôle pour qu'il s'agrippe à la fin du saut. Voilà. Bon, c'est pas insurmontable la jouabilité, mais je trouve que des fois, oh bah qu'est-ce que j'ai fait. Faut peut-être vraiment de l'élan en vrai. Alors je vais en prendre, comme ça tout le monde sera content. Je vais reculer. Alors, vous voyez le temps qu'il met à se retourner et tout. On peut le retourner un peu plus vite avec la touche Shift. Voilà. Mais je trouve que dans l'ensemble il est assez lent. Il met du temps à se retourner, il met beaucoup de temps à faire les choses, à grimper et tout. C'est un peu pénible parfois. Là pareil, je devrais monter, mais je vais aller sur le côté parce qu'il doit y avoir encore un petit trésor caché. Comme je suis très avide, j'essaie de récupérer le maximum de trésors. On vous fait une petite comptabilité de ce que vous avez trouvé à la fin de chaque niveau, en fait. Qu'est-ce que Voilà, bon, il a trouvé. Il n'a rien dit ce coup-ci. Donc, il y a une petite comptabilité à la fin de chaque niveau. Et on vous donne votre quotient intellectuel aussi. Ça, je trouve ça assez drôle. Il y a le QI qui est comptabilisé. Je ne sais pas comment il compte. Est-ce que c'est au nombre de monstres qu'on a tués, les passages secrets qu'on a découverts? Je ne sais pas trop comment ça se passe. En tout cas, voilà. Vous pouvez mesurer votre QI. Alors là, par exemple, tenez, Pierre, fais voir l'autre caméra, regarde. Je pousse avec mon clavier, je pousse vers la gauche, là. Vous voyez, j'appuie comme une bête. Et il ne va pas à gauche, alors qu'il pourrait y aller, franchement. Hein. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je pousse un petit peu à droite. Et maintenant, je repousse à gauche, et il y va. Normalement. Vous voyez, quand je dis que la jouabilité est pas top, là, par exemple, c'est un petit bug. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, c'est une version définitive. Des petits trucs comme ça, il y en a plein tout le temps. Voilà. Donc, je suis content d'avoir réussi à le prouver. D'habitude, on dit que je suis une mauvaise foi. Bah, franchement, c'est pas vrai. Sinon, je me permettrais pas. Là, par exemple, tu peux pas monter non plus. Et on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'a priori, il y a pas de problème, il pourra attraper. Alors, c'est parce que il faut sauter en face. Mais juste, ils ont décidé qu'il fallait sauter en face. On comprend pas pourquoi. Il dit pas c'est glissant ou vous voyez, il pourrait expliquer un peu le truc. Non! On vous laisse vous débrouiller pour faire le saut de la mort, voilà. L'autre truc un peu pénible, c'est que si je me mets là, si je veux monter à l'échelle, il suffit pas d'appuyer devant. Vous voyez, là j'appuie devant, il se passe rien. Il faut que j'appuie sur la touche Alt en même temps pour qu'il attrape l'échelle. Et si je suis pas en face de l'échelle, il saute. Donc vraiment, ça c'est lourdingue. Il y a une jouabilité un peu laborieuse, un peu pénible, qui gâche un peu le truc, parce que moi je trouve que c'était plutôt sympa de se balader avec Indiana Jones.
Vraiment, c'est un héros qui est assez génial. En plus, il y a de quoi faire avec ses aventures. Enfin, vraiment, il y a un truc super. J'ai un petit peu gâché. Là, je vais sortir le flingue parce que je sais qu'il y a un serpent un peu plus haut. Donc, je vais me préparer à tirer sur ce serpent. Allez, on saute, on grimpe. Et tout de suite, on sort le flingue. Voilà. Ah, là, il le range, voilà. Et quand je vous disais qu'il ne tire pas toujours du bon côté, là, le serpent est droit devant lui et il ne tire plus. Ça y est, c'est parce qu'il est mort. Ouf. Bon, on s'en sort bien. Je vais ranger ça, clac, et on va aller de l'autre côté. En plus, on va arriver à la fin du niveau, c'est génial, comme ça vous verrez un peu les dialogues de la fin du niveau. Vous verrez que ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc là, je suis dans le premier niveau, c'est des canyons. Après, il y a une base russe, puisque je vous l'ai dit, les méchants, c'est des Russes. Les Américains, c'est pas fini là, avec la guerre froide pour eux, apparemment. Là, je vais grimper, il y a un petit trésor à récupérer. Comme ça, on partira pas les mains vides. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pour un archéologue, je trouve ça génial comme réflexion. Au lieu d'être intéressé... Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça vaut pas un rond, même au marché opus, ça cligne en cours, j'en tirerai pas 4 francs. On sent qu'il est énervé. Hein. Bon, allez, on va finir avec un super beau saut. À moins que je m'écrase comme une merde au fond du ravin. On peut sauvegarder, normalement, à tout moment. Je vais pas le faire, allez, on va dire que je vais être doué. J'ai peur, c'est la fin de ce level 1, presque. Ça se trouve, je vais rater et m'écraser comme une merde. On va dire que non. Ouais, super. Oh, bah, je suis en forme aujourd'hui, très bien. Allez, on continue et on va rencontrer une copine à nous. Vous allez voir qu'elle est toute mignonne, elle a une coupe de cheveux assez originale. Elle a la même coupe de cheveux avec un casque et sans un casque, regardez bien. Oh non, quoi encore? Oh, une fille, oh là là, c'est pénible, on peut pas avoir des aventures sans qu'il y ait des filles maintenant. Oh, quand je vous parlais de la coupe de cheveux, bon, elle a des beaux yeux par contre. Sophia, good. Salut Indy, salut. Ça fait un bail, hein? Ça alors, qu'est-ce qui t'amène dans l'Ouest? Un pressentiment sur les trésors que je ne vais pas tarder à découvrir. Alors, elle va nous expliquer... Vraiment superbe, ces fragments de poterie. C'est ça l'archéologie d'aujourd'hui. Tu ramasses de vieux débris sans valeur, tu les analyses, et l'histoire ancienne n'a plus de secret pour toi. Voilà. Plutôt noble, n'est-ce pas? Ouais, ils sont désabusés, alors que le vrai, il est bien. Les Russes arrivent. Les Russes arrivent. Je lis les journaux, tu sais. C'est bien quelle époque on est, franchement. Nous avons besoin de ton aide. Qui ça, nous? Quand j'y suis entré pendant la guerre, on l'appelait l'OSS. Maintenant que Truman est président... Nous sommes devenus la CIA. Les sabotages. Donc elle est boss pour la CIA et maintenant on va essayer de trouver. On va laisser parler comme ça, vous verrez. En plus, je suis pas idiot. Nous avons du personnel en quantité pour ce genre de tâches. Mon travail consiste à m'occuper d'activités, disons, moins courantes, comme celles qui sont poursuivies dans ce champ de fouilles au bord de l'Euphrate. Tu vois, au sud de Bagdad. Il n'y a pas de contre-pétrie, un champ de fouilles au bord de l'Euphrate. Vous cherchez, mais il n'y en a pas. C'est à cet endroit que les hommes avaient dressé la tour de Babel pour atteindre les cieux. Ça ressemble bel et bien. Donc voilà, la ligne va tourner autour de la tour de Babel, Babylone et tout. Ça va être super. Bravo, Dr. Jones. En fait, il s'agit de la trouvaille d'un certain Gennady Volodnikov, de l'Institut de physique de Leningrad. Il pense qu'il y aurait une part de vérité dans la légende biblique. Mais n'est-ce pas un de ces mécréants de communistes? C'est un physicien qui fait des recherches. Un mécréant communiste, un bolchevique, un rouge qui mange les petits enfants avec un couteau dans les dents. Mon Dieu, c'est terrible. Ah, ces Américains, décidément. Tout ce que nous savons, c'est que d'après lui, la bombe atomique n'est qu'une grosse blague. Toute la planète devrait se tordre de rire, alors. Indy. Suppose que la tour abrite une force mortelle dont personne n'ait jamais entendu parler. Donc voilà, vous voyez le scénario, hein, c'est du grand Indiana Jones évidemment, avec des forces mystérieuses, des trucs occultes. On a remplacé les nazis par des communistes, mais en gros ça revient à peu près au même. Voilà, donc c'est bien sympathique. C'est dommage que la jouabilité soit pas au top, parce que vraiment ça aurait fait un grand jeu. Mais bon, bah voilà, on peut quand même se marrer un peu avec. Essayez-le, peut-être que vous trouverez que la jouabilité pas si catastrophique que ça. Regardez, ils ont trouvé un rouleau à pizza, un truc pour découper les pizzas. D'une locomotive peut-être. Non, il n'y a pas de. C'est un truc d'une locomotive. Vraiment, il faut qu'il refasse des études d'archéologie, à mon avis. Il est un peu aux fraises de père Indiana Jones. Regarde cette petite roue. Comment l'avez-vous trouvée? Nous sommes la CIA. Ah bah oui, la CIA, ils trouvent des trucs à découper les pizzas. Ils sont super forts. Allez, remets ton casque et on se barre. Bon, c'est pas le tout, mais on va s'arrêter là pour ce level 1. On va repartir en hélicoptère. Je sais pas s'il existait en 1947 les hélicoptères, mais bon, admettons. Voilà, c'était Indiana Jones et la machine infernale. Je trouve pas mal, mais un peu gâché par la jouabilité encore une fois. Donc bah essayez-le, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis bah nous on se retrouve pour un prochain level 1. Je décolle. Allez, ciao. Thank you.